Je m'appelle Kim, je viens de Lille, du Nord. Moi j'ai le film Bliss avec Ellen Page, là, sur... mais c'est plus roller derby, c'est pas le roller skatepark, mais ouais. Alors j'ai commencé quand j'étais au collège, donc il y a longtemps, plus d'une dizaine d'années. Alors à la base, j'avais une amie qui faisait du roller et elle m'avait proposé d'aller voir une compétition de roller là où j'habitais. Et donc je suis allée avec elle, je connaissais pas du tout. Et en voyant les figures, tout, je me suis dit, faut que je fasse ça quoi. Première sortie, je suis allée pas loin de chez moi, il y avait un petit skatepark extérieur comme ça. Et puis je suis allée, j'ai pris la première paire de rollers que j'avais qui n'était pas du tout adaptée pour faire du skatepark, mais je me suis dit, tant pis, je vais essayer. Quelques chutes, mais très très bien, vraiment c'était génial. J'ai pris des protections quand même, protection, bouteille d'eau et juste les rollers, c'est tout. Je suis partie comme ça à l'aventure. J'étais avec une amie et après il y avait plein d'autres gens au skatepark que j'ai rencontré là-bas, donc on était une dizaine. C'est stressant, mais en même temps, quand on voit tout le monde faire, on dit oh, je veux faire la même chose, même mieux, et du coup, on se lance. Et puis, ça fait peur quand même de descendre les rampes, les choses comme ça, mais c'est toujours gratifiant quand on a réussi, donc toujours fiers de nous. Ouais, mais des petits, ça va. Ça va. Non, pas de grosses blessures, c'est bon. Des égratignures. ma figure préférée en roller, c'est des rotations. Donc c'est le 720, donc c'est deux tours sur soi-même en l'air. Et voilà. De se lancer déjà, c'est bien, c'est une bonne idée. Et après, c'est persévérer, essayer de se fixer, d'apprendre des petites choses un peu tous les jours. Et puis, bien mettre ses protections quand même, mais faut y aller, quoi, faut foncer.